What's up guys? J'espère que ça va bien. Je commence mon vlog, il est 17h20, il est genre full tard pour vrai. Je suis sur la route, fait que je vous parlerai pas très longtemps. Je veux quand même rester sécuritaire. Je m'en vais au show à PL à Québec. Je vais essayer d'aller voir ce que ça donne parce qu'après... ben, j'ai déjà eu mon billet de Montréal, de l'acheter et de Laval. Fait que vous allez dire, ben oui, je suis vraiment fou, je m'en vais à 3 shows à date. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, pour vrai. Puis ben, sinon, après, je vais aller sûrement chez une amie. Ça va dépendre si le spectacle finit tard. Puis c'est pas mal ça. Le lendemain, je rencontre quelqu'un, mais je vous en parle demain pour vous expliquer c'est quoi, c'est mon projet secret. Donc j'ai bien hâte de vous en reparler. Bon, fait que là, je marche parce que c'est comme zéro clair, pour vrai, de où est-ce que c'est. Il y a comme aucune indication. Fait que c'est pas compliqué, je suis les petites filles. Oh mon dieu, j'ai genre l'air d'un pédo, sérieux, puis surtout que là, genre, quelqu'un qui vient de passer, puis il m'a vraiment dévisagé en train de filmer. Fait que je me demande, genre, qu'est-ce que ça va donner, ça, c'est vraiment drôle. Fait que on continue. Fait que, guys, il est genre... 19h28, ça fait exactement 20 minutes qu'on tourne en rond. J'étais avec des abonnés, puis à PL, puis sérieux PL, c'est genre n'importe quoi là. C'est même pas genre, ça va n'importe où. Ça tentait pas de prendre genre une bâtisse, pas 20, ça aurait été moins compliqué. On vient commencer le party, on dansait, et c'est tout. Nice to meet them, but I hope I never see them again. No, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, and now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. C'est une question qui me vient de la salle. Là, je vais me filmer un moment creepy, genre il n'y a plus personne dans la salle comme vous pouvez voir. Puis les fans, ils ont genre ramassé toutes les ballottes sur la scène à PL, fait que genre, il n'y a plus rien. Puis là, ben PL, te laisser traîner ta coupe de vin. Oh my god. Genre, PL, ça c'est ta coupe de vin. J'en prends une gorgée, ok? Ben non, c'est pas vrai, j'aime pas ça! J'aime pas le vin! Okay. tu t'es passé au travers? Ben, c'était quelque chose de mytho, mais c'était super nice, là. Vraiment? Wow, cool! Il y a du pop art. Oui, au ski rachat que j'ai remarqué. Avec son décor. C'est écœurant, je l'avais pas vu avant de sortir. Non, il est vraiment cool. Puis, comment a été ta soirée? Vraiment bien. Vraiment bien. J'étais vraiment déçu parce que le Facebook Live, ça a comme pas super bien marché. Mais je pense que c'est la seule chose qui n'a pas marché. Sinon, là, je suis super content. Là, on a joué au Jenga, tout à l'aise avec Emma, ça a été plus. Mais on fait une pub. Dis-nous un scoop, genre, qui pourrait intéresser les gens. Scoop. Oh my god! Je vais venir à Montréal parce qu'il y aura dans la salle des membres de ma famille, mais je vous dis pas qui. Maman PL? Ah, hey, j'ai pas dit ça. Mais moi, je suppose. C'est peut-être pas la Wadamant, c'est peut-être la Wadastar. La Wadastar? Le Wadapère. Vous avez pas le choix. De toute façon, le show est le fun. Fait que même si ta famille n'est pas là pour rire. Non, elle va être là pour rire. Elle va être là pour rire. Ils sont mieux. Oh my god, genre grosse soirée. Là, je suis en train de surveiller les trucs de Emma, Mahdi puis PL parce que, genre, pendant le meet-up, l'agent de sécurité qui s'occupait de la salle est parti. Mais Emma, elle avait son manteau, puis tout le monde avait des choses dans la loge, dont les clés de l'auto à PL. Oups. Donc, il était comme pris ici. Fait que j'ai décidé d'attendre avec eux parce que moi, j'avais mon auto, genre, au cas où, là, mais. Il aurait quand même fallu qu'on trouve les clés. Fait que là, ils sont partis les chercher, là, mais ça fait comme 5 minutes qu'ils sont partis. Fait que, genre, j'espère qu'ils trouvent leur affaire. Bref, c'était une pas pire soirée. Je pense qu'ils s'en viennent. On les entend au loin. Fait que, ben moi, je pense que ça va être pas mal ça pour ce vlog. J'espère que vous avez aimé. Je vais vlogger au prochain show de PL. Mais je pense que cette fois-ci, je vais essayer d'aller, genre, plus loin encore. Fait que... on va checker ça. What's up, guys? Fait que là, il est genre 12h38, exactement. Je viens d'aller rencontrer un petit monsieur pour mon projet secret, que je vais vous dire un peu, donc, c'est quoi. En fait, j'ai genre le soleil d'en face. OK, mais il n'y a pas de soleil, mais c'est pas grave, j'ai genre mal aux yeux. Je suis désolé. Je viens d'aller voir un monsieur, dans le fond, parce que moi et mon ami, on se lance une compagnie de création de jeux de société. J'ai toujours aimé jouer aux jeux de société, fait que j'ai décidé de créer les miens. Et puis, ben là, on va commencer à créer notre premier jeu. Puis, je suis allé voir l'usine, je suis allé voir les textures, quel matériau qu'on allait prendre, puis avoir, dans le fond, finalement, les coûts de production. Donc, c'est bien intéressant. J'ai hâte de vous montrer ça. Je vous en dis pas plus, mais éventuellement, je vais vous en reparler. Hier, finalement, j'ai pas vlogué, mais je suis allé porter Mahdi, dans le fond, à un bar. Puis j'ai décidé de rester avec. Puis il s'est avéré que finalement, il y avait Thierry, puis Miro était là. Ainsi que d'autres gens bien agréables. Puis... on a bu un petit peu. Moi, j'ai bu juste un verre parce que je conduisais. Puis finalement, je suis parti de là-bas à 1h30, 2h environ. Puis je suis allé coucher chez une amie. Donc, c'est demain que je termine mon vlog parce que je retourne chez nous à Terrebonne. Puis je vais rouler tout le long. Fait qu'il ne va pas se passer grand-chose, je crois bien. Puis ben nous, sinon, on se dit à dans une prochaine vidéo. Ciao!